またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよね。こんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね。目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド。君と肩を組んで君と手を繋いで恋人だったり友達でいたいから、おはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさ。Si tu bouges, t'es mort. Utilise ton haine et je te tue. Essaie de crier et je te tue. Si tu as compris ce que je t'ai dit, ouvre les yeux. Si jamais je revois ta sale tronche dans le coin, je te tue. Ça, je te le promets. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu les ténèbres dans les yeux de ce gosse. Si partir est le seul moyen de rester en vie, alors je préfère partir. Vous risquez d'être les prochains sur sa liste. Moi, je continue. Je ne vais pas m'arrêter si près du but. Bientôt, on aura réussi. On sera maître d'étage. Kilwa ne m'a pas menacé, moi. Il doit avoir peur de mon pouvoir. Tu te trompes. Je n'ai pas peur de toi. Vous me verrez quand vous vous y attendrez le moins. Je viendrai vous voir pendant votre sommeil, ou quand vous mangez, et même... quand vous êtes aux toilettes. Tu vois, qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Il vaut mieux se battre de façon loyale, non? Avant le début des combats, je suis impatient de voir le résultat de votre entraînement. D'accord, je commence. C'est très bien. Suivant, Kilwa. D'accord. Goûtez. C'est marrant. Ça a un goût sucré. Oui, au goût ça ressemble à du miel. Bravo Kilwa, c'est génial. C'est super, tu t'es bien entraîné. Je vous félicite, votre condition physique est excellente, vous vous êtes bien entraîné. Merci. En ce qui concerne Gon, tu connais déjà ton adversaire, alors je n'ai pas de conseils à te donner. Est-ce que tu as déjà pensé à une tactique? Oh oui, en fait, j'avais pensé utiliser ceci. C'est une canne à pêche? Encore une chose, dès que vos combats seront terminés, j'aimerais qu'on se retrouve tous ici pour en parler. Et maintenant, vous pouvez y aller. D'accord. La revanche entre Gon et Guido est sur le point de commencer. Après avoir courageusement affronté Hisoka, Gon va de nouveau se mesurer à Guido. La première fois qu'ils étaient combattus, Guido l'avait vaincu et envoyé à l'hôpital. Comment Gon va s'y prendre cette fois-ci pour combattre son adversaire? Ça paraît surprenant, mais Gon est arrivé sur le ring armé d'une canne à pêche. J'ai peur que ce soit inefficace face au toupie de Guido. Ou alors Gon va-t-il développer une autre tactique comme il a su nous le montrer lors de son combat avec Hisoka? On peut vraiment s'attendre à tout avec lui. On devrait aller là-bas pour les encourager. Oh, la télévision, ça suffit. D'accord. Attention, le combat va commencer. Vainqueur au point ou par KO, temps illimité, vous êtes prêts? Allez-y! Comment Gon va réagir? Est-ce qu'il va faire la même chose que la dernière fois? Il a anticipé mon mouvement.
Tu es si prévisible. À présent, Gon, tu ne pourras plus m'arrêter. C'est impossible de m'attaquer dès que je suis en train de tourner. Tu ne peux plus rien faire. D'ailleurs, puisque tu ne peux plus venir à moi, c'est moi qui viendrai à toi. Les toupies de là-bas. Oh non, il lance ses toupies en tournant. C'est une technique un peu différente. Je lance toutes mes toupies contre toi. Tu ne pourras pas toutes les esquiver. Comment? Oh, incroyable! Gon vient de recevoir toutes les toupies de plein fouet. Gon semble avoir beaucoup évolué depuis son duel contre Hisoka. C'est carrément une autre personne. Oh, c'est fantastique! Le pouvoir de son aine a tellement augmenté qu'il a pu se défendre grâce à lui. Est-ce que ça veut dire qu'il serait devenu imbattable? Oh non, c'est impossible! Grâce à son excellente capacité oculaire, Gon aurait pu facilement abattre toutes les toupies. S'il ne l'a pas fait, c'est uniquement pour impressionner Guido, pour lui montrer sa force de résistance. Ça veut dire que Gon est plutôt énervé. Et maintenant, c'est mon tour d'attaquer! Ça y est! Il va attaquer! Quelle technique va-t-il utiliser? S'il compte m'attaquer avec sa canne à pêche, il ne peut faire qu'une seule chose. Il va sûrement essayer de m'empêcher de tourner. Encore faut-il qu'il y parvienne! Et c'est parti! Gon attaque Guido de plein fouet! C'est inutile! Oh non! L'hameçon a été repoussé! Désolé, mais je me suis enveloppé de mon aura! Comme ça, tu ne réussiras pas à m'empêcher de tourner! C'est ce qu'on va voir! Incroyable! Il avait pensé à tout! Oh, ouais. Il a perdu sa grande spécialité! Attends, Gon, non, je t'en supplie, s'il te plaît. Oh non, je t'en prie, ne fais pas ça. Je fais comme toi. Tous les moyens sont bons pour y arriver. Mais je te préviens, si tu menaces encore une fois Zucchi, je t'explose la cervelle. T'as compris? Et le vainqueur est Gon! Il a réussi, ça y est, il a gagné! Première victoire pour Gon au 200e étage! C'est une victoire incontestable! Bon, allez, c'est mon tour. Le prochain combat opposera Killua à Riluberto. Surtout restez avec nous, je vous retrouve en direct pour la suite du programme dans quelques instants. Le combat commence dans 10 minutes. Et nous voilà de retour sur le ring. Plus qu'une minute avant le début du combat. La tension ne cesse de monter entre les deux adversaires. Que nous réserve cette rencontre? Tu n'as pas tenu ta promesse, alors ne compte pas sur moi. Je ne te laisserai pas gagner. Moi, je n'ai pas peur des ténèbres. C'est vrai, ce gamin est peut-être très doué, mais c'est moi le meilleur et je le resterai. D'ailleurs, je vais lui montrer à ce morveux qui est le maître sur ce ring. Attention, engagé. Le voilà. Aura Blaster. Regardez, Riluberto s'est mis à tourner à toute vitesse sur le ring. Je l'ai échappé belle. Zut, j'ai sauté trop haut. Il utilise toute l'aura qu'il a accumulée et la fait jaillir d'un coup pour avancer. Ça va pas être si facile que ça. Twin Snake à l'attaque. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça y est, Riluberto a sorti ses fouets serpents. Il les fait tournoyer autour de lui avec une incroyable rapidité. C'est comme ça qu'il se protège et attend à distance le bon moment pour attaquer. À mon avis, ça doit faire vachement mal ces machins. Comment va réagir Killua face à ce terrible serpent à deux têtes? Comme tu peux le voir, Killua, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Et maintenant que j'ai sorti mes serpents, tu n'as plus aucune chance de gagner. Ah bon? Pourquoi? Regarde-moi et tu vas vite comprendre. Un homme ordinaire ne peut pas distinguer le mouvement des fouets. Et comme tu ne peux plus te cacher ni t'échapper, prépare-toi à perdre ce combat! Désolé, je ne suis pas un homme ordinaire.
Quoi ? Qui doit arrêter les fouets avec ses mains ? Tu vas voir. Gilouberto est en train de foudroyer Killua avec son Thunder Snake. Bravo, Killua. Tu es le premier à avoir été capable de distinguer mes fouets. Mais désolé, j'avais déjà prévu le coup. Je me doutais qu'un jour je tomberais sur un adversaire comme toi, un peu plus téméraire que les autres. Et pour ces idiots qui osent s'opposer à mes précieux fouets, je leur réserve une décharge électrique d'un million de volts. Personne ne peut résister à une telle décharge électrique. Personne, même pas toi, Killua. Et si tu résistes trop longtemps, tu vas finir électrocuté. Ça n'a aucun effet sur moi. Tu sais, j'ai reçu un entraînement pour résister à la torture. Donc je pourrais tenir encore longtemps. Mais ceci étant dit, ça me fait quand même mal. Du coup, je suis énervé. Fais attention, tu vas tomber. L'embêtant, c'est qu'en tombant d'aussi haut, tu vas sûrement mourir. S'il te plaît, je t'en prie, rattrape-moi, Killua. Bon, d'accord, vas-y, je te rattrape. Laisse-toi tomber. C'est une belle prise pour Killua. Une sacrée décharge pour Gilouberto. Tu vois que ça fait mal. Imbécile. Gilouberto a perdu connaissance, c'est une victoire par KO. Je déclare Killua vainqueur. Killua est un adversaire redoutable. Quelle victoire. Même un million de volts n'ont pas réussi à l'atteindre. C'est extraordinaire. J'en reviens pas, comment il a fait ça? Un million de volts et il n'a rien senti, sacré Killua. Bien joué, Killua. Merci. Et si on allait manger avant le prochain combat? Guido, toi aussi? Oui. Maintenant, ça va être à toi de te battre contre lui, Gon. Quand tu te battras avec lui, n'essaie surtout pas de faire comme moi. Je suis le seul à pouvoir résister à une telle décharge électrique. Toi, tu perdrais connaissance. C'est quoi ta tactique? Tu verras, j'ai ma petite idée. Il a réfléchi pendant mon combat. Il est comme moi, il a besoin de voir l'adversaire se battre pour trouver une tactique. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire contre les toupies? Qu'est-ce que je vais faire? Tu veux rire? Après ce que tu lui as mis, c'est fini pour lui. Il ne reviendra pas. Votre attention, s'il vous plaît, concernant la prochaine rencontre qui oppose Guido à Killua, Guido a renoncé à son droit de combattre. Killua est donc le gagnant. Qu'est-ce que je te disais? Ah oui, t'avais raison. Ayant 3 défaites contre 5 victoires, Gilouberto battu ce matin par Killua n'a plus le droit à l'erreur. Le duel n'a pas encore commencé qu'il a déjà sorti ses fameux fouets. Que compte faire Gon pour se défendre contre des armes aussi redoutables? Vainqueur au point ou par KO, temps illimité. Engagé! Gilouberto lance d'emblée son attaque. On dirait qu'il veut en finir au plus vite. En face de lui, Gon a l'air désemparé. Mais on le voilà qui soulève une dalle à main nue. Il a soulevé la dalle au-dessus de lui. Et il la lance! Impossible pour son adversaire de se protéger. Mort à meurtre! Gon a sauté sur Gilouberto et l'a saisi au poignet. Alors, comment ça marche? Ah d'accord, en premier je mets la puissance maximum sur un million de volts. Et ensuite, j'allume. J'ai gagné, Gilouberto, KO par évanouissement. Le gagnant est Gon. Gilouberto a essuyé sa 4e défaite, il est éliminé. Il est donc renvoyé du 200e étage. Alors dites au revoir à Gilouberto et bravo à Gon. Le niveau de vos duels était excellent. De votre entraînement, je n'ai plus rien à dire. À présent, vous maîtrisez parfaitement les bases du naine. Tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de continuer à affiner ces bases et de travailler assidûment. Ainsi, vous pourrez construire votre naine personnelle. Le moyen le plus simple pour y arriver, c'est de vous concentrer sur vos prédispositions naturelles. Par exemple, vous devez vous concentrer sur ce qui vous met en colère ou au contraire ce que vous aimez, ce que vous cherchez dans la vie, dans vos voyages ou encore dans les rencontres que vous allez faire. Surtout, vous devez toujours garder ça à l'esprit, car chacun de ces éléments aura son importance. Ces choses donneront forme à votre avenir et vous montreront quelle naine est le plus adaptée à vous. Vous avez encore beaucoup à apprendre. Mais vous êtes sur la bonne voie. Alors faites tout ce que je viens de dire et vous verrez, votre avenir sera des plus intéressants. Au fait, Gon, tu as réussi l'examen Hunter irrégulier. Mes félicitations. Hein? Oh? Irrégulier?
La partie régulière de l'examen pour devenir Hunter est la seule qui soit rendue publique. Quant à l'apprentissage du naine, c'est la partie irrégulière. Seul celui qui réussit les deux parties régulières et irrégulières peut devenir un vrai Hunter. Il est indispensable de maîtriser le naine pour devenir Hunter. Car un Hunter digne de ce nom est censé être le meilleur dans sa catégorie. La tâche principale d'un Hunter est de capturer des criminels, des voleurs ou encore des escrocs. Pour y arriver, la force du naine lui est totalement indispensable. Mais si on utilisait le pouvoir du naine pour faire le mal, cela donnerait naissance à une force destructrice terrible. C'est pourquoi le naine est une épreuve séparée et cachée. On ne l'enseigne qu'à ceux qui ont réussi l'examen régulier. Malgré ces précautions, il arrive parfois que certains découvrent l'existence du naine et finissent par le maîtriser. Comme Hisoka. Et mon frère. Alors ça veut dire que dès le début, tu avais l'intention de nous apprendre la maîtrise du naine ? Mais tu aurais dû nous faire confiance, tu n'avais pas à mentir. D'ailleurs, comment est-ce que tu savais qu'on viendrait ici ? Tu nous as espionnés ? Pour la partie irrégulière de l'examen, il n'y a pas de règle. Quoi qu'il arrive, les élèves qui ont réussi la partie régulière, bon ou mauvais, finissent toujours par apprendre le naine. Mais pour répondre à ta question, c'est le hasard qui a fait que nos chemins se sont croisés. J'étais là quand vous aviez besoin de moi. Je vois. Mais je vous connaissais déjà un peu. Il se trouve que le maître de mon école n'est autre que le président Netello. Il m'a beaucoup parlé de vous, il a l'air de bien vous connaître. D'ailleurs, Killua, on aimerait bien que tu te représentes à l'examen. On est sûr que tu vas réussir cette fois-ci. À présent, tu en es digne, Killua, je te le garantis. On est convaincu que tu as un énorme potentiel, et si tu deviens Hunter, tu amélioreras encore tes capacités. Ouais, on verra si j'en ai envie. Au fait, Wing, est-ce que tu sais où en sont les autres candidats qui ont été reçus ? Bien sûr. De leur côté, Kurapika et Hanzo ont travaillé avec d'autres maîtres et savent déjà utiliser le naine. Génial ! Le Horio ne débutera son entraînement du naine qu'après sa rentrée en faculté de médecine. En revanche, il semblerait que Pockel ait un peu plus de mal avec son entraînement. Ils ont l'air de se donner à fond. On dirait. Une dernière chose. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes encore en plein apprentissage. Vous n'êtes pas encore au maximum de vos capacités. Il faut encore les améliorer. C'est à cela que servira l'entraînement. Je sais que je peux compter sur vous pour donner le meilleur de vous-même. Je sais que vous allez passer beaucoup de temps à vous entraîner, mais n'oubliez surtout pas qu'il est tout aussi important de vous amuser et de profiter de la vie. Je n'ai plus rien à vous apprendre. Mon enseignement s'arrête ici. Oh ! Durant ces 4 derniers mois, vous avez suivi ma formation et écouté mes conseils. Mais finalement, vous avez dû vous rendre compte que cette formation n'était rien d'autre qu'un combat contre vous-même. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'était seulement pour vous aider à y parvenir. Et vous avez été des élèves admirables. Vous avez toujours su rester humble et jamais arrogant, malgré tout le talent avec lequel vous êtes né. Je penserai toujours à vous avec fierté. À présent, vous êtes maître de votre propre destin, alors prenez bien soin de vous. Os ! Os ! Os ! Zucchi, à bientôt! Au revoir! Zucchi, il reste encore 4 semaines d'entraînement pour toi. Os! Tu dois avoir confiance en toi. Ne te décourage pas. Tu as progressé à une vitesse extraordinaire. Seul un homme sur 100 000 a des capacités comme les tiennes. Os! C'est seulement que Killua et Gon, eux, ils ont le talent et les capacités d'une personne sur 1 000 000. Tu comprends? Os! Ces paroles ne me consolent pas du tout. Je vais tout faire pour un jour pouvoir arriver à leur niveau. C'est bien dit. Voilà qui est digne de mon élève. Bravo, Zucchi. Os! Bon, maintenant qu'on maîtrise le naine, que tu t'es vengé de Hisoka et qu'on a gagné suffisamment d'argent, on n'a plus rien à faire. C'est vrai, t'as raison. Il reste encore 1 mois et demi jusqu'au 1er septembre. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps? J'ai une idée. Eh bien, on pourrait... On pourrait quoi? On pourrait aller chez moi. Quoi ? Aller chez toi ? Je sais, ma maison est beaucoup plus modeste que la tienne, mais... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça me ferait plaisir ! En plus, je vais enfin pouvoir rencontrer Mito, c'est décidé ! T'es sûr ? Mais oui, puisque je te le dis ! Allez, dépêchons-nous ! Ne remettons pas au lendemain ce qui peut être fait aujourd'hui. Ça fait 6 mois que je ne suis pas rentrée à la maison. Bon, tu viens, dépêche-toi ! Sinon, je te laisse ici ! Mais comment ça ? Tu sais où j'habite ? Non, je n'en ai aucune idée. Merci pour votre accueil. Salut.
Cet ascenseur descend. On voulait vous remercier pour tout, mademoiselle. Parce que maintenant, on rentre chez nous. Mais il n'est pas impossible qu'on revienne un jour, s'il le faut. Alors on se reverra. Oui, oui. Et qui sait, si ça se trouve, elle sera peut-être devenue maître d'étage d'ici là. Killua. Comment elle pourrait s'appeler? La femme gorille? Ouais, c'est pas mal. Ou la fille Yeti? Killua. Ah oui, oui, la fille Yeti, c'est bien ça. Oh, n'oublie pas la dernière fois, Killua. Mais ne t'inquiète pas, on a le nain maintenant. On ne craint plus personne, encore moins cette fille, même si elle a des bras de gorille ou de Yeti. Et puis, il faut bien lui faire payer ce qu'elle nous a fait la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'elle maîtrise le nain. Prenez ça, Comic Gigato! Voilà, vous êtes arrivés au rez-de-chaussée. Elle est encore plus forte qu'Hisoka. C'est bien ma veine. Encore merci. Et au revoir, Tour Céleste. Une fois que j'aurai trouvé la brigade fantôme, je ne les laisserai pas m'échapper. Prochain épisode, restriction, serment, chaîne. S'il le faut, je risquerai ma vie. オレンジ色した夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かりあっという間